Bonjour tout le monde, bienvenue sur Freecad 0.19 en ce qui me concerne. Aujourd'hui sur cette même chaîne YouTube, on m'a demandé comment on peut réaliser un sketch, une esquisse à partir d'un fichier DXF qu'on a importé dans Freecad. Alors, il faut savoir que DXF, Drawing Exchange Format, c'est un format d'échange de fichiers créé par une société Autodesk. Donc c'est un format propriétaire. On n'est pas du tout dans le logiciel libre, dans le format libre ici. Mais on peut l'utiliser, Freecad l'utilise dans la mesure des conditions fixées par cette société. Voilà, donc il y a plusieurs macros nécessaire. Par exemple, dans macro, vous voyez ici, j'en ai DXF, color map, DXF import, DXF, etc. Je crois qu'au départ, tout est livré dans Freecard. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir installé quoi que ce soit. Voilà, donc on va fermer ça. C'était mon exemple, enfin mon essai. Nous créons un nouveau fichier et là, on peut aller dans importer. On peut aussi procéder de la façon suivante. Il suffit de sélectionner son fichier qui est ici, mon joueur support ici. Je fais un glisser-déposer, clic maintenu. Je descends sur mon bouton Freecad, je monte et je lâche ici. Donc selon la taille du fichier, ça va durer plus ou moins longtemps, souvent plutôt longtemps que pas. Et on a ici une série de lignes, d'arcs, de cercles, souvent sont d'autres formes encore. Ici, c'est assez simple, ça se passe bien, mais j'ai fait plusieurs essais, ma méthode a fonctionné. Voilà, alors il faut sélectionner maintenant les choses qui nous intéressent. Pour ce faire, édition, sélection par boîte ou majuscule plus B, c'est le raccourci. Je sélectionne tout ce qui m'intéresse. Voilà. Je vais dans l'atelier Draft. Je clique sur cette icône que voici où je vais dans Modification, Projection 2D d'une forme. Là, il faut attendre parce que ça mouline aussi. Ah, je vois, mon processeur travaille. Enfin, un des quatre cœurs travaille en tout cas. Voilà. Et le résultat, ça va être toute une série de formes 2D, de shapes. Shape 2D Views. Donc je clique sur la première. Je descends tout à fait au bas de cette série. Je presse majuscule de mon clavier maintenu et je clique sur la dernière. J'attends. Tout est sélectionné. Là, je clique sur cette icône, conversion bidirectionnelle ou modification draft vers esquisse. Alors, ça dure un petit peu, pas trop. Et j'ai un sketch. Voilà. Là, je peux éditer. Apparemment, sur toutes les versions de Freecad, ça ne marche pas. Mais en tout cas, il est toujours prudent d'aller dans Part Design et de créer un nouveau body, un nouveau corps. OK. Il faut que j'annule parce que le corps a été fait, body a été fait, mais la fenêtre reste ouverte. Donc, je clique sur Annuler. Mon sketch, il est bien dans le body. C'est bon. Maintenant, je peux double-cliquer et travailler mon sketch, l'éditer, mon esquisse. J'ai 1156 degrés de liberté, donc voilà, à moi de voir ce que je veux faire, ce que je peux faire, mais en tout cas ça marche. J'ai essayé avec plusieurs fichiers DXF, certains assez volumineux. Cette méthode a toujours fonctionné et avec l'avantage de ne me fournir qu'un seul sketch, parce que si je ne passe pas par l'export vers des formes 2D, j'ai une série de sketchs infinis, enfin impressionnantes, alors que là, ça me fournit un seul sketch. Voilà, j'espère que cette petite astuce pourra vous aider. En tout cas, moi, ça a bien marché sur tous les essais que j'ai faits. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.